Kid. Eric Larsen. La littérature ne béquille pas l'existence, elle l'invente, elle la provoque, elle la dépasse. Monsieur Larsen, vous vous répétez dès que je pose une question personnelle. Je préfère les questions intelligentes. C'est quelque chose qui comble un trou ontologique, qui pousse les abîmes de la création. Oui, lorsque le corps de Platon doit sonner un mauvais soufflet métaphysique face à la consistance de ce S. Larsen. C'est évident. Comment on n'y avait pas pensé plus tôt? N'est-ce pas fatigant de vivre avec un génie? Moins que de vivre avec un imbécile. Je fais mon métier. Mais n'importe quel microcéphale, lobotomisé, me posera les mêmes questions que vous. Qu'est-ce que vous voulez que je ne vous donne pas? La vérité. Oh, ne soyez pas vulgaire. Il faut toujours la vérité, monsieur Larsen. Est-ce que vous auriez demandé à Homer s'il avait vécu sur le nain ou bien que des vous vous prenez pour Homer? Parlez-nous de votre conception de l'amour. Que dites-vous nous pour vous poser des questions? Je parle au nom de mes lecteurs. Foutre! Épargnez-moi votre mégalomanie. Vous ne parlez pas au nom du peuple sous prétexte qu'un homme régulier de couillons achète votre cloche. Vous envoyez le régule! Ah si! Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Qui vous vénère même. Et comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Bandit! Le pasteur! Depuis combien de temps êtes-vous marié, mon frère? 12 ans. 12 ans? Ah ben c'est plus d'amour, ça. C'est de la paresse. Ah ben l'amour, celui qui s'endort dans l'habitude. Ben l'amour, celui qui admet l'usure. L'éclairement, oui. Ben l'amour fait de fatigue, de susceptibilité, de doigts dans le nez, et de plaies foireuses sous les draps. Une belle femme? Ah oui, une très belle femme. Comment voulez-vous que je sache, n'est-ce pas? Parfois. Ils ne sont même pas ouverts. Vous préfériez que je les lise? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Espèce de diminué du pub! Combien y a-t-il de variations? 14 variations. 14 façons d'appuyer des mélodies absentes. Vous croyez que nous sommes 14? Non, mais je plaisanterai. Parlez-moi d'elle. Oh, foutez-moi la paix, hein! Votre Jean-Pierre sur le chat mouillé! Parce qu'on disait que vous étiez antipathique. Je pensais qu'on exagérait. Un conseil, n'écoutez jamais quelqu'un qui dit du bien de moi, mais toujours celui qui en dit du mal. C'est le seul qui ne me sous-estime. J'embrasse tes lèvres, celle du dessous, celle qui gonfle pendant le plaisir. Je me suis documenté. Si vous m'aimez, je ne viserai pas le portail! J'ai toujours rêvé que, lorsque je mourrais, les beaux voiles se souleveraient. Des voiles lourds et épais. Pour qu'une fois, une seule, j'entrevois la vérité et ses cuisses nues. Je dois être mort déjà.